Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Moyen-Orient, qu'on commence avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah Sisi inaugure plusieurs projets de développement en Haute-Égypte. Le président a inauguré hier par visioconférence le complexe de la production de l'essence à la compagnie d'Ansiout pour le raffinage du pétrole, ainsi que un nombre de projets de développement en Haute-Égypte. Pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah Sisi a inauguré hier par visioconférence le complexe de la production de l'essence à la compagnie d'Ansiout pour le raffinage du pétrole ainsi que certains projets de développement en Haute-Égypte. Le complexe de la production de l'essence est l'un des projets stratégiques dans le cadre du développement de la Haute-Égypte, étant le plus grand complexe pétrolier visant à garantir l'approvisionnement en essence pour les habitants de la Haute-Égypte et à économiser le coût de son transfert des raffineries du Caire, d'Alexandrie et de Suez vers les différentes régions de la Haute-Égypte. Le président Sisi a souligné la nécessité de la sensibilisation aux dangers de la construction sur des terres agricoles. Il a évoqué les constructions faites au cours des dernières 70 ans sur les terres agricoles. Le chef d'État a souligné que l'Égypte serait en tête des pays qui ont traité l'eau de la meilleure manière rationnelle et économique, soulignant que l'État avait dépensé jusqu'à présent 300 milliards de livres égyptiennes pour des centrales de traitement de l'eau au cours des 3 ou 4 dernières années. Il a ajouté que la création de nouvelles villes vise à attirer les gens à y vivre en offrant des opportunités d'investissement et en construisant des villes industrielles pour générer des emplois qui assimilent davantage main-d'œuvre, affirmant l'importance de préserver les terres construites depuis des centaines d'années tout au long du Nil et dont l'État a assumé les coûts afin de fournir de la nourriture aux Égyptiens. Le président Sisi a appelé à préserver les terres agricoles existantes, surtout que la bonification d'un seul fedan coûte de 250 à 300 000 livres égyptiennes juste pour l'agriculture, alors que ce coût peut s'élever à près d'un million de livres égyptiennes pour rendre le fedan prêt à la vie. Le chef d'État a aussi confirmé le souci de l'État de traiter l'eau et souligné qu'aucune goutte d'eau n'était gaspillée, mais au contraire a été utilisée conformément aux normes fixées par les organisations mondiales. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr. Ahmad Lethi, qui est expert en économie. Bonjour, Dr. Ahmad. Bonjour à vous. Alors, les inaugurations d'hier en Haute-Égypte, plusieurs projets qui ont été entrepris, inaugurés hier, et d'autres projets à l'avant en Haute-Égypte, plus particulièrement un intérêt et une attention particulière de l'État, du gouvernement accordé à la Haute-Égypte. On parle de projets à un montant de 535 milliards de livres égyptiennes récemment installés en Haute-Égypte. On parle également de 11 stations d'épuration de l'eau. Le complexe de production de l'essence de Ansiout qui produit 800 000 tonnes d'essence par an. Je dirais des projets gigantesques qui ont été entrepris et pour fournir plus de services et venir à l'aide de la Haute-Égypte. Oui. Allô. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends mal. Je parlais des inaugurations d'hier et des projets qui ont été installés par le gouvernement récemment en Haute-Égypte à un montant de 535 milliards de livres égyptiennes. Absolument. Comment voyez-vous cet intérêt et son effet sur le terrain? L'administration présente est en train de faire quelque chose de très nouveau qu'on a dû commencer à faire il y a des années. Parce que tout simplement, ils sont en train de ne pas négliger le problème, d'attaquer les défis qu'on a, les problèmes, et le plus grand problème dans l'égalité de la population en Égypte, c'est la pauvreté qu'on a dans le sud. Et là, ils ont commencé par la partie la plus difficile dans le pays. On voit que c'est pas la plus facile en même temps. Donc, c'est la plus difficile et le plus grand défi qu'on a, ça reste dans la Haute-Égypte. On voit que
ces efforts sont en train d'aboutir des résultats très intéressants. On voit une réduction dans la pauvreté de presque 4% et dans le chômage de presque 7%. Donc ça vient d'un chômage qu'on avait dans le sud du pays de presque 13,5%. Et l'indication ici, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est pas qu'on est en train seulement de dépenser de l'argent, parce que presque n'importe qui peut faire ça. Mais la façon très intelligente qu'on est en train de travailler maintenant dans le sud de l'Égypte, qu'on est en train d'utiliser les citoyens de cette partie du pays pour fixer leur propre ville et leur propre milieu, si vous voulez. Et là, on a diminué le chômage presque par 50%. C'était à 13,5 et maintenant, on est à 6,4. Donc là c'est, on est en train de gagner deux choses à la fois. Oui. La première, on est en train de fixer un endroit pour élever le niveau de vivre pour un endroit qui est très important pour nous. On est en train d'attaquer la partie la plus difficile, la plus grande défi qu'on a en Égypte. Et en même temps, on est en train de donner du travail aux gens qui ont besoin du travail pour réduire le chômage. Et en même temps, l'autre sous-entendu bénéfice qu'on est en train de réaliser ici, c'est qu'on est en train de réduire ou presque éliminer la migration vers le capital. Donc, on est en train de faire plusieurs choses dans la bonne direction à la fois. C'est une très bonne synergie et je pense que ça a été très bien étudié et ça, c'est quelque chose qui a dû être fait il y a très, très longtemps. Parfait. Docteur Ahmad Lessi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. La zone économique du canal de Suez a signé un contrat d'un montant de 2,6 milliards de dollars pour la construction d'un complexe international de production de méthanol et d'ammoniac à Ain Sukhna, en Égypte, sur la rive ouest de la mer Rouge. Le projet sera mis en œuvre en deux phases, la première se terminant en 2025 pour un coût de près de 1,6 milliard de dollars. La seconde, un coût estimé à 1 milliard de dollars, se fera sur 3 ans. La capacité de production de la première phase est estimée à 1 million de tonnes de méthanol et 400 000 tonnes d'ammoniac en un an, selon un communiqué. Le complexe vise à l'exportation de cette production conformément au plan de l'Égypte d'augmenter les exportations des produits pétrochimiques. C'est ce qu'a déclaré le directeur de la zone économique, Yahya Zaki, ajoutant que le complexe offrira près de 1200 opportunités d'emploi directes et indirectes. Et après plusieurs jours de faux suspense, les autorités libyennes ont confirmé hier que l'élection présidentielle prévue vendredi n'aurait pas lieu. L'autorité électorale proposant de reporter d'un mois cette échéance cruciale dans le processus de transition censé sortir ce pays d'Afrique du Nord du chaos post-Kadhafi. Moins de 48 heures avant le jour de l'élection présidentielle, une commission du Parlement chargée de suivi du scrutin a conclu à l'impossibilité de le tenir à la date prévue, pourtant fixée il y a plus d'un an. Les conclusions de la commission ont été rendues publiques alors qu'une annonce du report du scrutin était attendue depuis plusieurs jours, faute de préparatifs adéquats et sur fond de désaccords insurmontables entre camps rivaux. L'élection du 24 décembre devait marquer l'aboutissement d'un processus politique parrainé par l'ONU pour clore un chapitre de division et d'instabilité. Après concertation avec le Parlement, la Haute Commission électorale propose le report du premier tour de l'élection au 24 janvier 2022. Et le nombre d'attaques perpétrées au Yémen par la milice Houthi contre l'Arabie saoudite, qui vise principalement des sites civils, a doublé au cours des 9 premiers mois de l'an 2021 par rapport à la même période de l'année précédente, selon les résultats d'un groupe de réflexion américain.
Le rapport réalisé par le Centre d'études stratégiques et internationales à Washington appelle en outre les États-Unis à fournir à l'Arabie saoudite une aide supplémentaire pour se défendre contre les attaques et à souligner le rôle clé joué par l'Iran pour faciliter ces derniers. Les Houthis orchestrent une campagne de guerre irrégulière de plus en plus intense contre l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe en utilisant des missiles de croisière et balistiques sophistiqués, des aéronefs sans équipage ainsi que d'autres armes à distance. Le rapport indique également que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui répond directement au guide suprême du pays, a fourni aux Houthis une formation ainsi qu'un arsenal croissant d'armes et de technologies sophistiquées. Nous passons en Cisjordanie occupée. Un Palestinien qui a tenté mardi de lancer son véhicule contre des soldats israéliens en Cisjordanie occupée a été tué par balle, c'est ce qu'a indiqué l'armée israélienne. Le véhicule de l'assaillant a heurté une jeep de l'armée après avoir été atteint par des balles tirées par les soldats près de la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. Ce sera précisé l'armée dans un communiqué alors qu'aucun soldat n'a été blessé. Un porte-parole de l'armée a indiqué que l'assaillant avait été probablement mortellement touché par les balles. Et le gouverneur de la Banque centrale du Liban a estimé mardi que dans une interview que le Liban avait besoin de 12 à 15 milliards de dollars pour relancer son économie qui s'effondre depuis plus de 2 ans. Le Liban traverse depuis 2019 une crise économique sans précédent, l'une des pires dans l'histoire du monde depuis 1850, selon la Banque mondiale. Conséquence de cette dépression, le salaire minimum ne dépasse pas les 25 dollars sur le marché noir et 4 Libanais sur 5 sont considérés comme pauvres selon l'ONU. Le gouvernement libanais a repris en novembre les discussions avec le FMI, le Fonds monétaire international, mais n'a pas encore entamé les réformes demandées par la communauté internationale pour venir en aide au Liban. Lourdement endetté, le Liban a annoncé en mars 2020 le premier défaut de paiement de son histoire. Et après 19 jours de compétition et des dizaines de buts, la sélection algérienne de football a soulevé le trophée de la Coupe arabe de la FIFA 2021 au Qatar à la suite d'une finale serrée remportée face à la Tunisie sur le score de 2-0. L'Algérie a dû attendre la première mi-temps des prolongations pour commencer à y croire. Une victoire qui permet au Fennec de soulever le trophée de la 10e Coupe arabe de l'histoire et la première organisée sous le patronage de la FIFA. Une victoire synonyme également d'une prime 5 millions de dollars, mais surtout une joie incommensurable pour le peuple algérien. Terminons avec cette information. La marine marocaine a intercepté plus de 350 migrants, en majorité originaires de l'Afrique subsaharienne, ces 4 derniers jours au large des côtes du Maroc. Les gardes-côtes opérant en Méditerranée et dans l'Atlantique ont porté assistance entre le 18 et le 21 décembre à un total de 352 candidats à la migration irrégulière qui étaient en difficulté à bord d'embarcations de fortune. Parmi ces migrants qui avaient pris place à bord d'embarcations pneumatiques figuraient 23 femmes et 9 mineurs. Les personnes secourues ont reçu des premiers soins à bord des navires de la marine marocaine, puis ont été acheminées vers les ports marocains pour les plus proches et remises à la gendarmerie pour les procédures d'usage.
Lundi, la police marocaine a annoncé avoir arrêté depuis le début de l'année plus de 12 200 candidats à l'émigration clandestine et démantelé 150 réseaux de passeurs. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.